1, 2, 3, 4, 5 de plus. Donc on en aura 6. Voilà, pour faire fertiliser les arbres un peu plus vite. Déjà une, c'est déjà pas mal, hein, mais bon. Bon, j'en étais où? Câble, 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 câble. Un câble, pas compliqué, hein. Voilà. Là, je passe derrière. Et là, c'est le drame, j'ai pas assez d'énergie pour le faire fonctionner. Ah Mais si, c'est bon. Éventuellement une petite upgrade avec ça. On va refaire les upgrades. Les upgrades, on va trouver une solution. Alors, je dois avoir de la glace. Voilà, nickel. J'ai ce qu'il me faut en glace. Donc, simplement... Combien je peux me faire de bottle? 63. C'est presque un stack, c'est nickel. Est-ce qu'un fluide transposant, j'en aurais un autre? Non, j'en ai pas d'autre. Tant pis, on va les remplir comme ça. Alors, juste avant. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je garde? Il faut que je garde ça. Où sont les bottles que je viens de créer? Je les ai laissés là-dedans? Ah ouais. Bah, tout ça, hop. Voilà. Ça c'est bon. Alors, upgrade. Ouais, il faut que je le tape ici. Donc les upgrades. Alors déjà, il me faut les colon cells. Les colon cells, c'est des tin plates et de l'eau. C'est pas compliqué. Donc tin. Tin plate, j'en ai une. Il me faut ça. Il me refaut le hammer gelé. On va s'en faire un stack de ces trucs-là. Combien j'en ai? 53. Bon bah voilà. On va en faire d'autres. Sachant que je dois en avoir une qui traîne encore de sel. Non? Non, je pensais que j'en avais une qui traînait encore quelque part. Mais bon. Ah non, en plus je fais n'importe quoi. Déjà ça, il va falloir que je les récupère comme ça. Et puis c'est ça. J'ai juste ça, je voulais déjà le disposer de cette manière. Voilà. Et maintenant, il ne reste plus qu'à remplir les bouteilles d'eau. Donc ça, pas bien compliqué. Qui se sont barrés, on va juste essayer d'aller le plus vite possible. Ah oui, puis ça se stack pas en plus, c'est merde. J'avais oublié ça. Laisser là-dedans les bottles, les vides aussi tant qu'on y est. On va juste récupérer les 2-3 qui se sont barrés. Elles se sont barrées trop loin, j'ai pas envie d'aller les chercher.
Donc tant pis, ça fait un peu de perte, mais c'est trop rien, c'est que du vert. Donc les colonnes de sel, on y est. Alors ensuite, après les colonnes de sel, il nous faut pour les upgrades encore des électroniques de circuit. Donc électronique de circuit, on l'a vu, c'est de la redstone en quantité avec des plates d'iron. Et du câble. Donc voilà, iron plate. On va faire les trois. Comme ça, c'est toujours pratique. Et donc l'upgrade. On y retourne. Hop, et normalement. Ah oui, alors vu que ça se stack pas, il veut pas. Pas chiant le machin. Bon. Deux upgrades. Bon, bah ça va. Câble. Je suis sûr qu'on peut encore encore s'en faire. Mes pinces, les fameuses pinces, je dois les avoir utilisées jusqu'au bout, je crois. Je sais plus comment elles se font. Là, simplement, si j'appuie sur R, non. Si je sors, que j'appuie sur R et que je fais un clic droit ici. Non, c'est pas ça, c'est voilà, c'est là, voilà. Des cutters, simplement. Alors, iron plate. Iron plate, non, j'ai pas d'iron sur moi. Mes tables sont prises, bon, tant pis, on va virer ce qu'il y a là-dedans. Alors, des iron et des plates. Une de secours, on sait jamais. Ça peut toujours servir. Alors, ça et ça. Un peu de rubber. Et pourquoi déjà le... Ouais, c'est pour ça. C'est parce que... On peut s'en faire plus. Voilà. 3, ouais, c'est pas mal. 3, c'est bien. Bon bah non mais c'est bon, ça avance, ça avance tout ça. Ouais ok, lui il clignote à fond de blinde. Il manque d'énergie. Ok. Il a combien là? Il est à 20 EU. Et lui, il n'arrive pas à l'alimenter plus que ça. Lui de toute façon, ouais mais le problème c'est que lui de toute façon il envoie que 10 EU. Donc des générateurs, le générateur ça suffit plus. Générateur.
moi, mais c'est pas le. C'est les générateurs d'Industrial Craft de toute façon. Industrial Craft, on a les panneaux solaires. Ces générateurs-là commencent à être un petit peu trop. Enfin, ouais, ils commencent à être insuffisants. J'ai envie de poser une question con, mais si je fais ça, admettons, même contre le câble, est-ce que ça, non, déjà ça se connecte pas, donc c'est pas possible. Enfin, je pense pas. On va essayer quand même directement dessus et je te dis que l'énergie. Ouais, ben on reçoit tout en fait. Non, on reçoit seulement l'énergie. Désactive, désactive. Et l'énergie, tu reçois. De lava, tu valides. Non. Donc, 4 upgrades, c'est trop. On va réduire. Ce qu'il fait tomber. Ah, là, ça a eu. Et le storage à l'heure de remonter 8 EU. Alors attendez, 10 EU, ça c'en consomme 3, ça c'en consomme 2. Lui de toute façon il est arrêté, il a plus de quoi faire. Ok, ça ici c'est presque fini aussi. Oh, allez, tant pis. Lui il est presque terminé. Il est presque plein, allez. Bon, il tourne à son régime, au régime qui peut. Ouais, il est full. Il est full, le machin. Bon, et ça, donc, résultat, lui, il est inutile. Hop. Bon, et les câbles là, ça, ouais, mais de toute façon, c'est parce que j'ai pas assez de générateurs. Donc, est-ce qu'on va s'orienter vers une autre énergie pour Industrial Craft, ou est-ce qu'on peut convertir les énergies? Sais pas comment on peut énergie. Comment ça s'appelle? Je crois que ça s'appelle des BC converteurs ou un truc comme ça, non? Il y avait un truc qui s'appelait comme ça, non? Là, je vais tomber sur Bullcraft si je tape BC. Énergie. Réfléchis, mais je pense que non, il va vraiment falloir que je fasse de l'énergie plus haut de gamme pour Bullcraft, pour Industrial Craft. Donc Industrial Craft, parce que de toute façon apparemment je ne peux pas convertir l'énergie de Thermal Expansion vers Bullcraft, vers Industrial Craft, j'y arrivais. Donc il va falloir que je trouve une solution. Il y a la windmill, hein, ça peut aider. Hein. Ah, il y a la windmill et la watermill. La watermill, c'est un générateur et du bois. Le générateur, ce qui est le plus cher, c'est l'aérobatterie, quoi. Encore, c'est que du tin. Le tin, je m'en sers pas des masses. Ouais, de la watermill et ça produit. Ah ouais, mais ça produit. La 8000 à 5 EU par tick. Nucléaire réacteur, 8000, hop.
Là, tu... Ouais. Hector Chamber, lead. Non. Ah oui, non, d'accord, oui, ça c'est de l'advanced. Mais je dois voir ce qu'il faut. ouais, mais... pas confiance. J'ai pas confiance en ces trucs-là. Parce qu'il me semble que ça peut exploser de toute façon, alors que le reste, non. Terraformer. Téléporteur. Oh! Le téléporteur, ça peut être intéressant. Les nukes. Mining pipe, j'ai essayé, c'est de la merde. Non, il va... Non, on va se tourner vers d'autres générateurs. 10 EU. J'ai rien au-dessus. Ah! C'est quoi ça, semi-fluid générateur? Je sais pas ce que c'est. Semi-fluid générateur. Je sais pas. Attendez, parce que je réfléchis à autre chose également. Est-ce qu'on a les... Comment ça s'appelle? Ouais, mais non, c'est pas dans ce mode-là de toute façon. Que je dise pas de bêtises, comment ça s'appelle? Un truc qui coûte vachement cher. Et qui s'appelle... Non, on n'a pas la mat... Alors, il me semble que c'est la Matter Fabricator. Il permet de faire de ce qu'on appelle de la UU Matter et qui... servir à refaire n'importe quel matériau, enfin beaucoup de matériaux en réalité, pas tout mais presque. Si je tape UU simplement, ben si la UU Matter j'en ai. Si je tape fabricator. Oh, il fabricator, on peut faire de l'huile. Waouh. Intéressant. Ouais, mais de toute façon, ça, non, inutile de faire. Non, en fait, je cherche. C'est quoi ça? Ouais. Tout ce qui peut créer des œufs. Évidemment, tout ce qui est bois, ça peut produire, mais c'est pas ce qui m'intéresse. Est-ce qu'on peut avoir quelque chose qui marche à la lave dans les... Non, c'est un centrifuge, ça peut pas être ça. Applicateur, casing machine. Je cherche une solution à l'énergie. Ça, je sais pas ce que c'est. On va aller en créative pour voir exactement ce que c'est que le semi-fluide. C'est un petit monde en créatif. J'avais fait quelques tests ici pour les tesseract et puis le et les queries. Alors on va se mettre un peu plus loin. Passer en peaceful sur ce monde. Alors, que je dise pas de bêtises. Donc on va avoir... ok, ça tourne à...
Orthogonophy Time ici, je sais pas pourquoi. Alors, c'est du build craft. Bon, c'est pas compliqué, ça s'appelle semi. Semi-fluid generator. Ok. Il va nous falloir. Hein. Ouais non, je sais pas pourquoi je prends ça, mais semi-fluid generator. Et ça, ça prend quoi? Est-ce que ça peut prendre de la lave? Même de la lave comme ça directement. Non, pas comme ça. Va forcément falloir des seaux d'eau. Enfin, des seaux de lave. Même pas. Semi-fluid generator, qu'est-ce que t'attends, qu'est-ce que tu veux, comment tu marches? Non, c'est pas ce que je veux, R comme récipient. Mais ça marche à quoi ce truc? Tu marches pas à l'huile quand même. Apparemment si. Ok. Et ça délivre combien? Du 8 à 32 U par tick. Ouais. Ouais, voir si sinon le oil ça m'intéresse pas. Ça aurait marché à la lave, j'aurais pas dit. Mais là, non, même pas la peine. C'est même pas la peine. Donc non. Qui peut fonctionner à la lave ou le géothermal générateur. Toi tu dois bien marcher à la lave. Toi tu marches à la lave. Et comment tu te craftes? Merde! Un peu chiant, monde créatif. Mais tais-toi, c'est pas ça que je veux ça. Voilà. Alors, du verre, un générateur, de l'iron, des hommes ticelles. Comment ça se craft des anticelles? Non, anticelles. Anticelles. Apparemment avec ça. Avec un metal former. Ok. Metal former. C'est quoi? C'est du... C'est du industrial craft aussi. Oh. Ok, du bronze. Je dois être à court de bronze en plus. Bon. On va retourner sur Dire Wolf. Ben ouais, on va partir sur ça alors. Un géothermal générateur avec éventuellement un magma, un transposer. Ouais. C'est pas là, c'est là. Ah bah nickel. Ah non.
Transposer, hop. Ben ouais, je pense qu'on va faire ça. Parce que de toute façon, là. Voilà, là, l'énergie, on n'en peut plus, là. Ou alors. Ah, ou alors. Est-ce qu'on peut faire ça? Je suis en train de réfléchir. On va peut-être procéder autrement. Attends, ça me ferait combien? Ça me ferait 6. Non, ça ferait 4, 6, 68 particules. Oh non, ça vaut pas le coup. Le géothermal, j'ai pas vu combien il produisait par contre. Géothermal, ah oui, du 20 EU seulement par tick. Ouais, mais ce sera toujours mieux. Ce sera toujours mieux. Ouais, non, autant faire un deuxième générateur, quoi, j'ai envie de dire. Bon, allez, c'est parti, générateur. Alors, du tin. Du tin, du tin, du tin. Bah, j'ai déjà des tins comme ça. Du tin, ouais. J'ai plus de marteau là, le marteau. Des sticks. Allez, le reste de tin en plate et il va m'en falloir 4. Donc, ouais, donc j'en ai largement assez. Alors, il me faut également du tin en câble. Ok. Ça, avec un petit peu de rubber qui est toujours là-bas. Il faudrait que je rapatrie. Alors, normalement ici, alors normalement ça devrait être bon. Alors, ici, du rubber, on a ça. Donc ça, oh, ça nous permet de faire une RE batterie avec notre tin. Alors, pour éventuellement faire d'autres. Hop, une RE batterie. Oh, ça ira. Ça ira comme ça. Ensuite donc ce que je veux c'est un générateur hein. C'est un générateur. Si je tape Industrial Crab ça va plus vite. Mais voilà. Donc de l'iron plate et un iron furnace. Et des iron plates, c'est ce qu'il faut. Donc déjà ça. C'est fait. Ensuite. Non. C'est pas ça. Craft, bah, l'aérobatterie et puis de l'iron plate. Donc tout va bien. J'ai tout. J'ai tout, j'ai tout, j'ai tout. Allez, ici, on va voir comment agencer mieux que ça, hein, ce coin-là. Je pense qu'on va améliorer ça. Va falloir vraiment qu'on check cette zone-là. Ok. Non, il n'y a pas. Va falloir qu'on pense mieux cette zone.
Cette zone-là, c'est pas gérable. Il va falloir qu'on réfléchisse à faire autrement. Je réfléchis. Passe, s'il te plaît. On va tout démolir. Ça m'embête de tout démolir. On n'a pas le choix. Bon, je réfléchirai à comment arranger tout ça le plus simplement possible. On va peut-être essayer autre chose, hein. De toute façon, pour le moment, bon, bah, ça tourne comme ça peut, j'ai envie de dire. On va quand même mettre à l'arrache, complètement à l'arrache, hein. Ce sera bougé plus tard. Mais on va mettre ça comme ça. Pourquoi j'en ai pris autant, je ne sais pas. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est consommé direct, hein. Bon, il galère un peu. Mais bon, pour le moment, ça va tourner comme ça. Il clignote toujours. C'est qu'il arrive toujours pas à avoir ce qu'il veut en énergie. Ça ne fait rien. On va trouver une autre solution. Ici, rien. Là-bas, rien. Bah non, en fait, à part ça, on peut rien faire d'autre. On peut rien faire d'autre à part peut-être déplacer 2-3 trucs d'ici. Mais pour le moment, c'est bien. Réfléchis. Non, je sais ce qu'on va faire. Je sais ce qu'on va faire. On va. Oui, je sais parfaitement ce qu'on va faire. On va se refaire des import bus parce que j'en avais besoin. Donc on va partir sur autre chose, on va repartir sur du applied energy sticks. Non, je dis n'importe quoi, en plus c'est des... Non oui c'est ça, c'est des import bus. Je confonds toujours, hein. Faut pas... Je dis n'importe quoi. Non, je dis vraiment n'importe quoi. C'est des export bus. Bah, je sais pas, des export bus déjà? Si, c'est ça. Pourquoi j'avais un doute là-dessus? C'est ça, et là je mets un peu de charcoal. Non, bah je sais pas, je voyais autre chose, je sais pas pourquoi. Bon, et le second, c'est ici. Et ça va être de la cobble, ça tombe bien, j'en ai sur moi. Par stack, ici, par stack. Et là-bas, on va réouvrir les vannes. Pas, enfin, non, même pas en fait. Bah non, bah je sais pas pourquoi, je me disais qu'il me refallait des export bus, dans ma tête, je sais pas pourquoi. Parfois je suis pas tout seul dans ma tête. Je vais vider un barrel. De toute façon, faut que je voie. Ouais. Oh yolo, balance tout. Je verrai ce dont j'ai besoin plus tard. Quoi, je... Ah, la galère! Ça y est! Ça devait arriver! J'ai... Puis là, j'ai plus d'énergie.
J'ai plus d'énergie qui arrive ici. Je vais jeter un œil dans le nether. Donc il va me refaloir un 4K storage. Eh ben on va faire ça. Et on va faire ça, un 4K storage. Un 4K storage. Alors, il nous faut de la redstone, des glaces, de l'iron. Déjà, on va prendre ça. Donc, glace. Iron. J'en profite. Iron et j'ai dit redstone. Ok, déjà ça, ça me paraît bien. Alors, attendez, juste avant, je vais encore prendre ce qu'il faut. Ok, en fait, j'ai vraiment plus d'énergie là-dedans. C'est juste pour faire ça le plus rapidement possible, mais lui il galère. Hein. Oula, puis là-bas. Ouais, non, de toute façon, il y a le coffre là-bas qui fait tampon. Donc pour le moment, ça règle le problème. Pour le moment, lui, il fait tampon. Bon, donc, tant qu'on y est, comment tu vas les garder? Et quand tu auras de la place, t'apporteras. Quoi qu'il en soit, nous, c'est le 4K storage. Donc, 4K, donc le 4K storage. Donc, il me faut ça. Et ça se fait avec des ME Basic Processor et du storage cell. Donc déjà, il va m'en manquer. Donc il va me falloir du gold. Du gold. Du silicone. Est-ce qu'il m'en reste? Non. Et le silicone, ça se fait avec du quartz. Allez. Oula, c'est la panique. Bon. Ok, c'est officiel, j'ai plus d'énergie. Donc... C'est qu'ici, ça doit être vide. Jackpot. Putain, la
vache, la quantité que ça a avalé. Alors, lava. Refuel. D'accord, ok. Donc quand je passe d'un monde à l'autre, il ne garde pas en mémoire le... Bon. Ben, la lave est partie très très vite, je m'attendais pas à ça. C'est parti en quelques minutes. Comme quoi. Ouais, c'est en train de revenir. Doucement, mais c'est en train de revenir. L'énergie. Temporairement, t'en vois plus. Donc l'envoi, hein, de toute façon, il suit qu'à la query. Enfin, pratiquement qu'à la query. Il y a également la ferme à arbres. Et la ferme à mob, mais la ferme à mob, c'est pas ça qui presse. Et de toute façon, il y a encore de l'énergie stockée là-bas. Hein. Non, non, tu reçois pas d'énergie non plus, t'envoies que dalle. Ouais. Ici ça se remplit. Ici aussi. Pourquoi toi tu te remplis pas? Qu'est-ce qu'il y a? Tu boudes? Qu'est-ce qui se passe? L'énergie, tu te remplis pas toi. Bon. Il boude. Voilà, il est en train de bouder, je sais pas pourquoi. Lui il se remplit, lui aussi. Ah, je vais tous les checker, comme ça, ce sera fait. Lui aussi, lui il est full, lui il est full. Je pense éventuellement le Tesseract, le bouger, ce serait pas con. Fluidact. Ouais. On va arranger ça un petit peu autrement. Bon, tant pis pour l'énergie un petit peu, c'est trois fois rien en énergie. C'est juste histoire d'avoir un beau truc. Puis ben, le dernier, on va juste prendre celui-là et le rabaisser d'un cran. C'était pas vrai. Hop, voilà. Et les fluiducts que j'ai mis là. Pour le moment ici, là. Et on va faire monter tout ça jusqu'en haut. Non, j'ai dit jusqu'en haut. Hop, le Tesseract, on va le mettre ici. En voilà. Ok, voilà. Bon. Puis éventuellement, si on a envie que ce soit vraiment beau, on va faire tout le tour. Ok, donc là, ça envoie du fluide. Ils reçoivent, tout va bien, ils envoient de l'énergie.
Enfin, ils en voient pas encore, mais ils vont pas tarder. Voilà, là au moins c'est bon. Et si je remets en energy send, non, je revalide ici, Elisabeth, on est bon. Ok, ça se vide plus vite que ça se remplit. Enfin, pour certains, pas pour tous. Bon, Appliade. Ah, Appliade, il se sent mieux. Donc, je disais, on avait besoin de 4K storage. Donc, il va nous falloir du gold, il va nous falloir... Le silicone, c'est avec du quartz, c'est ça. C'est ce que je me disais, donc, ici. J'avais déjà du quartz de pulvériser. Tu vas arrêter ce que tu fais en ce moment et j'ai besoin de ça. Voilà. Les fournaises, j'en mettrai plusieurs et je pense faire des simples fourneaux, en fait des méga fourneaux et puis c'est tout. Je pense qu'on va faire ça comme ça hein, parce que là ça devient ingérable. C'est trop long en fait. Bah ben, trop long. Tout seul il n'arrive pas à gérer en fait. Donc il va en falloir beaucoup plus que ça. Ou trouver une solution pour chauffer plus vite. Même le macérateur, j'ai l'impression qu'il galère. On retourne sur notre 4K. Tac. Et donc, encore redstone basique. Il va encore nous falloir des mètres. Du certus quartz. Je vais y arriver. Ah bah, ils sont tous repassés au vert. Je sais pas ce qu'il y a eu. Ma query, elle a dû redémarrer sans problème. Bah, là, je suis même pas sûr qu'elle se soit interrompue en fait. Vu comment la coupure était courte. Moi je suis en train de réfléchir, mais je pense que... Sur le bleu, on va mettre un petit peu de stone, pas trop fort rien, enfin un petit peu, hein. Pour qu'on en ait quand même un petit peu qui passe. Et que ça parte un petit peu dans le... Voilà, au moins ça part directement là-dedans. Ok. Bon, ça c'est fait. Et il nous faut donc le silicone. Ok. Pour la table, j'ai encore ma table qui est là-bas. C'est celle-là. Je remplace. Oh, il va m'en falloir beaucoup plus que ça encore. J'ai mal calculé. Ah, il va m'en falloir plus que ça. Beaucoup plus que ça. Du gold. Du gold, du gold. Ça c'est pas mal ça. Hop. Bon bah comme ça c'est résolu. Ah je pouvais en faire qu'un. Oh non. Bon bah tant pis.
100 francs de plus. Bon, 7, on va déjà faire ce qu'on peut avec ça. Donc, on va se mettre ici. On va récupérer ça. Alors, il nous faut Basic. Certus. Custom. Et ça, il m'en faut 3. Déjà, voilà. 3, ensuite, donc le 4K. Et ensuite, ce qu'il me faut, c'est... Non, pas ça. Il me faut, donc pour faire ça, il me faut encore un basique, de la glace. Ouais, en fait, il me faut ça comme ça. Ouais, t'es sympa, là, tu peux me le... résultat, je sais plus. C'est comme ça, hein, si je dis pas de bêtises. Les 4 en... Ah oui, non, oui, il m'en faut... Pourquoi il m'en a fait qu'un? Il m'en a fait qu'un. Je pouvais... j'en ai lancé qu'un? Ah bon. Bah, c'est pour ça qu'il voulait pas. Ensuite, comme ça. Ça et ça. Et pour finir, normalement, j'ai tout ce qu'il me faut pour ça. Un 4K supplémentaire. Voilà. Là, on est bon. On a calmé la situation de cri. J'ai encore tout ça à exporter aussi. Ouais, non, en fait, la query, pour le moment, elle va attendre. Bien gentil, mais... c'est quoi, c'est le bleu, hein? Pourquoi j'ai la terre qui sort? J'ai la terre qui s'éjecte de temps en temps, je sais pas pourquoi. Ou alors c'est parce que là-bas il a pas fini de tout exporter, peut-être. Ah! Logique. Voilà. Maintenant, il l'a fait. Bon. Ça c'est fait. Ça c'est fait. Ok. Lui. Bah ouais, lui. Ah, lui, je peux plus faire grand-chose pour lui. Petit tournage. Je parle pas trop fort parce qu'il est tard chez moi, mais je suis tombé sur un donjon. Joie. Portal Gun, Atomonicon, tout ce qu'il me faut. Voilà. Je vous reprends plus tard. Bonjour à tous et bienvenue, je suis MDJ de Normandie. Enfin, on se retrouve peut-être à la suite d'un épisode, je ne sais absolument pas. La dernière fois, on s'était... J'ai évité de trop spoiler, on va voir tout ça tout de suite. La dernière fois, je vous avais montré un donjon à zombies que j'ai trouvé. Donc, on va faire le tour rapidement des modifications, de l'avancée de mon aventure. Salut zombie. Donc premièrement, j'ai encore agrandi un petit peu la tour à mobs ici. Vous voyez qu'il y a un nouveau bloc ici. On va en parler. On va déjà attaquer le sous-sol, enfin le sous-sol, le rez-de-chaussée. Ce harvester, ce grinder-là, je vais le virer, je vais trouver une autre utilité. Parce que ça ne me plaît absolument pas. Il n'y a jamais de mob qui peut arriver ici, donc il est purement inutile. Je vais juste relancer ma turtle dans le Nether, étant donné que je viens de relancer le jeu. Il faut que je relance toutes mes turtles.
Et on va voir qu'il y a des nouvelles turtles que j'ai codées. Donc je vais vous montrer les codes. J'ai toujours pas fait de git ou de trucs comme ça pour les turtles. Bah écoutez, rapidement, on va refaire le tour des programmes. Donc le lavarifuel qui se trouve dans le nether, simplement donc une fonction main qui prend un time en. Bon, en fait je vous laisse simplement prendre un screen. Le mot qui est coupé au bout de la ligne là c'est un ven, donc c'est un n qui manque, hein, voilà ven. Donc hop. Donc je vais faire défiler, vous mettez en pause si vous avez envie de copier. Les majuscules sont importantes. Bah voilà, en fait c'est tout, le programme est terminé, c'est juste main 15 à la fin. Et puis puis voilà, c'est juste une petite fonction main qui va donc sélectionner un, qui va prendre l'item qu'il y a en dessous, donc le seau de lave, et ainsi de suite. Si c'est bel et bien un seau de lave rempli, alors il va le monter dans le magma crucible, il va attendre 20 secondes, il va le remettre dans là où il faut. Et puis, oups. Et je vais me barrer de là avant d'avoir des ennuis. M'en douter. C'était sûr ça. Évidemment, il a viré mon levier. Rapidement, vous voyez également que j'ai un stuff en rubis. C'est un stuff en rubis. Putain de ça. T'es où? Bon, tant pis. Ouah, ça a bien descendu quand même la lave. Hein. C'est pas vrai, mais barrez-vous, vous venez d'où? Ah, tu t'y attendais pas, salaud. Bon. Résultat, j'ai perdu un fluid duct. Et je suppose que j'en ai pas sur moi. Et il va me le falloir, ce fluid duct. Donc, ah non, c'est bon, il est tombé à côté. De bizarrement. Ok, il y en avait un là. J'ai ma wrench sur moi. Ah voilà. Et le deuxième, il est là. Donc il est. Non, on est bon là. Ouais, on est bon. Il me semble. Et non, j'oublie un truc. Oui, non, oui. Parce que oui. Ok, c'est parce que c'est moi qui me plante. Ça. Ça vient avec moi. Et en fait, c'est de là. Il va me manquer un. J'en ai un qui a été détruit, je crois, de Fluid Duct en fait. Bon. Lui il prend de. Non, lui il va avoir besoin de lave. Je suis. Bon, excusez-moi, je ramènerai un fluid duct. Il manque un fluid duct en fait pour remplir le magma crucible. C'est ça. Hein. Ouais, bon. De toute façon, il a 10 buckets en lui. Donc, on se tire d'ici avant qu'on ait un autre ghast. Je vais juste remettre mon son. À 10, c'est bien. J'ai augmenté mon son Windob. Et d'ailleurs je vais pas tarder à passer sous Linux. Non, c'est pas ça que je voulais. Et je voulais également modifier autre chose. Ça, le fauve. J'aime bien c'est en mettre un petit peu, pas trop. 80 ça me semble beaucoup. Ouais voilà, au moins on a un visuel un peu plus large sur le jeu.